Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sabrina 820 Gaming. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cet épisode 3 de Golem sur PSVR. Donc, alors c'est là en fait les gemmes, je pense que... Pour l'histoire d'avoir plus de vie et tout, je pense que c'est ça. Donc, je vais reconstruire mon golem. Bah, je vais lui laisser ce masque-là, hein. De toute façon, j'ai ça, ça. Et au niveau de l'arme, je dois plus avoir ma super arme, hein. J'ai dû la perdre. Ouais. Forcément. Ah là, j'en ai 6 comme ça, c'est ça que ça veut dire? Là, j'en ai un. Ouais, bah je vais prendre ça. Parce que je sais que j'ai rencontré un gros méchant golem que j'arrivais pas à battre. Voilà. Ah mais ça a l'air pas mal ça quand même. Donc je crois... Ouais, ça a l'air pas mal. Je sais pas si ça va... me permettre de battre le gros méchant. Je trouve que je suis petite, hein, mon golem. Il est pas très, très grand sur pattes. Voilà, donc au moins, ce qu'il y a, c'est que... quand on ouvre les portes, hein, elles restent ouvertes. Alors là, c'est une petite vidéo d'une heure aujourd'hui, forcément, puisque je ne fais pas de live pour le moment. Remember, any artifacts you collect will be in the workshop. If you need them, you'll have to return there. Je sais pas si c'est bien ça pour le... Parce que le gros golem, là... quand j'ai terminé mon live épisode 2... il y avait un gros golem qui m'a battu. Ah bah tiens, il y en a un autre là, mais c'était pas lui. C'était pas lui. C'est pas lui qui m'a causé problème. Mais on va aller... Je vais aller me rentraîner un petit peu avec celui-là. Bon, allez, c'est reparti. Eh ben voilà, d'accord, ok, d'accord. J'esquive pas comme il faut. C'est mal barré. Ah zut, flûte, les amis. J'arrive pas à... je devrais pouvoir... Comme ça, quand il fait ça... Et non, là, c'est pas bon. Je sens que je vais bientôt perdre. Ça va être cool. Comme ça. Comme ça. Eh ben non, c'est pas comme ça. Je sais pas où je vois ma vie, d'ailleurs. Ah, ah ben là... Je sais pas où je vois ma vie. Si j'ai de la vie, où est-ce que je peux la voir? Ouais. Bon bah c'est pas cool, hein, ce que... C'est pas cool. Ah non, j'arrive pas. Je fais pas les bonnes esquives, en fait. Je sens que je vais bientôt mourir. Ah bah hein, j'ai eu du mal quand même sur celui-ci. Et on dirait que j'ai un masque. C'est drôle, on dirait que j'ai un masque. Ouais, bah dis donc.
Je sais pas, je regarderai quand je perdrai, parce que là, de toute façon, je peux pas l'ouvrir. Ouais. Bon, bah, je vais aller explorer. Mais vous savez, finalement, hein, c'est vrai que l'épisode 1, je critiquais pas mal le jeu. Oh là là, il y a quelqu'un qui me tire dessus, par contre. Ah, d'accord. Il y en a d'autres ? Ouais, ouais, il y en a d'autres. Mince. Ah, il y en a un là. Zut. Bah, attendez. Ah, est-ce que ça précise de bestiole ? Oh là là, il y a un gros golem, là. Ah là 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 là. Puis, je suis pas en bon état, moi. Je suis pas en bon état. I thought I was so clever, so daring. Who would suspect a warden's sweetheart of smuggling illegal artifacts? I was bringing in so many. Oh là là, j'entends crier. Oh là là, c'est lui le gros golem avec qui j'ai perdu hier, je sais plus. J'ai pas trop envie d'aller le voir. Ouais, bon bah de toute façon, il vient vers moi. Pas trop envie de le voir. C'est dommage, c'est que faut attendre qu'on esquive pour pouvoir lui donner des coups. Oh non, il m'a tué direct! Oh la vache, c'est Maus costaud lui! Bon bah ok, super. Ouais. Bah, ça sert à rien que je mette le masque alors, puisque... Je sais pas si ça sert à quelque chose que je mette un masque finalement. Vu que je perds. Bah je vais prendre ça, hein, j'en ai 6 apparemment. Et plus que ça de toute façon. Comme ça. Bon, c'est pas grand chose. Je perds toutes mes belles armes. Ah ouais, c'est bête ça. Ouais, bah, de toute façon, celle-là, j'en ai plein d'armes comme ça. So when you find something useful or valuable, weapons, crystals, par contre, je sais pas à quoi ça sert ces trucs, je le redis, mais les qu'on récupère des... Ouais, donc le masque que j'ai récupéré, c'est encore un comme ça, en fait. Even after centuries of neglect, there are some doors that will not open. Bon, bah, ce niveau-là, là, par cette porte-là, ça va être assez chaud-chaud. Hein. Tiens, il est revenu, l'autre costaud, là-bas. Bon, bah, je vais essayer de le rebattre avec ma petite épée de merdouillette. Hein. Ouais, donc il y a pas mal d'exploration, en fait, parce qu'il faut trouver les... trouver des armes quoi. J'essaie de le rebattre quand même. Bah déjà j'ai pas la bonne esquive. Ça. Eh ben non, là c'est pas la bonne esquive que je fais quand il fait le premier, c'est bon. Non, je fais pas la bonne esquive pour le deuxième. Tac. Non, je fais pas la bonne esquive. Alors, faut que je mette comme ça, peut-être. Non, c'est ce que je faisais. Comme ça, en fait, alors. Tac. 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 Et tac. Et tac. Et tac. Ok. Donc, comme ça.
Non. Ah là, zut flûte les amis. Tac. J'arrive pas à trouver la bonne esquive. Je vais me faire encore démonter. Tac. 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 Ah zut flûte les amis. Tac. 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 Bon, bah ok. J'ai rien eu d'autre. Il m'a rien offert d'autre, ce méchant golem. Ah bah si. Oh si, je viens d'en avoir une autre. J'ai que ça. Ces épées-là, c'est... Ouais. Ces épées-là, j'en ai je sais pas combien. Et comme ça. J'ai l'impression que c'est celle qu'on trouve le plus. Bon. Le problème, c'est que j'arrive pas à avancer, quoi. Je bloque par ici. Alors déjà, lui, là. Il rapporte rien, eux. Non. On peut appeler ça des ennemis qui servent à rien. J'entends crier. Mais je vois pas. Il n'y a rien par là. Ouais, là la porte s'ouvre. Eh ben elle aurait pu s'ouvrir. Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, d'accord. Ah bah j'ai ouvert la porte. Oh là, mais j'ai pas trop envie de l'ouvrir moi la porte. Ah non. Ta. Ouais, bah ça y est. Ça y est, je suis morte. Il a mon arme que j'aime bien. Ah la vache! La grosse vache! J'ai pas récupéré un masque dans l'histoire? Ok. Ah non, c'est un comme ça, j'en ai 4. Et là, j'en ai 3 comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ouais, j'ai 4 masques comme ça. Et 3 comme ça. Ouais, bon, s'en fout. Ouais. J'avance pas beaucoup. En fait, faut bien maîtriser les combats de golem, quoi. Et je fais pas toujours les... C'est comme ça qu'il faut bien maîtriser, quoi.
even after centuries of neglect, there are some doors that will not open. Unless they like what they see. Par contre, bon, c'est vrai que le golem avance quand même doucement. Bon, je vais retourner là où je suis allée, en fait. Hein. Mais ouais, le jeu est quand même assez dur parce que j'ai du mal à esquiver, en fait. Les esquives, je capte pas toujours. Ça. Ah, il est... Non, je sais pas. Là, comme... Non, bah non, voilà. Il... J'ai pas encore capté. Là. Comme ça. Bah non, mince. Ah là là. Ah non, je capte pas. Je capte pas toujours les esquives. Voyez, je capte pas. Ouais. Ah là, j'ai pas eu. Ah la vache. Eh ben voilà. Non, non, je capte pas. Ou alors je devrais mettre comme ça. J'arrive pas à bien capter les esquives, en fait. Je pense que c'est une question d'entraînement. Mais là, c'est zéro pointé. Zéro pointé. On fait comment quand on n'a plus du tout d'armes? Parce qu'à la force de perte comme ça, bah, j'aurais même plus cette épée que j'ai en je ne sais combien d'exemplaires. C'est dommage par contre que quand on débloque des armes, qu'on a de nouvelles armes, elles disparaissent quand le golem est mort. Je trouve que c'est dommage. Parce que pour les gens comme moi, ça complique la difficulté, quoi. Si on pouvait conserver nos armes, ce serait mieux. Even after centuries of neglect, there are some doors that will not open. Unless they like what they see. Ah, j'ai perdu déjà tout à l'heure à ce golem-là, alors comme ça, si je perds déjà à celui-là... je vais pas avancer, c'est clair. Non, faut que j'essaye de le battre parce que moi, ça m'entraîne, quoi. Ça m'entraîne. Ah non, 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 non. La première esquive est bonne, la deuxième n'est pas bonne. Ah, zut. Vache. À la vache.
Ah là là là, là il est en train de s'exciter et puis il est en train de m'énerver en plus. Ah vache, j'ai pas réussi la dernière. Ah bah et hein, peut dire que je galère, hein. Je crois qu'on peut le dire. Bon, t'as pas ta petite épée à me donner? Non? Non, y a rien. Ouais. Je galère, les amis. Je galère. Je vais retourner par là quand même. Bon, eux, ce sont pas les pires. Ah, il a reçu un texto. Par contre, je sens qu'on me tire dessus. Alors la porte là, je l'ai ouverte. Mais le souci, c'est qu'il y a un gros méchant derrière. Donc ça reste ouvert. En tout cas, ce qui est bien, c'est que les portes... Ah mais il est mouse costaud, lui, les amis. Il est... Moi, j'aimerais aller de l'autre côté, si vous voulez. Mais il est vraiment mouse costaud. Hein. Il a un masque, en tout cas. Mais... Je pourrais pas te taper là, tout simplement. Et puis donne-moi ton arme. Grosse colère. Moi je préfère que tu restes ici du côté de la porte, hein, mon pépère. J'aime beaucoup les portes. Ah bah, non, j'en peux. Ouais, 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 t'es en colère, je sais. Moi aussi. Ah bah, toi, t'es encore plus en colère que moi, visiblement. Pas beaucoup de coups, hein. Ouais, grosse colère. Ah bah, énorme colère, vachement grosse colère. Très grosse colère. Alors, je sais pas si notre vie remonte vraiment ou si ça veut dire ma mémère, c'est la fin des haricots. C'est bien dans les portes comme ça, je trouve. Je sais pas si vous êtes de mon avis. Moi, je trouve que c'est bien. Là, c'est moins bien. Forcément. Thank you.
Ouais, grosse colère, bah, je comprends. Moi aussi, je suis en grosse colère, je vais bientôt mourir. Allez, bah il est long ce pépère. Hein. En plus, je suis sûre que c'est un masque de rien du tout. Ah, ça fait mal. Si, les amis, quand on fait ça, ça fait mal. La grosse vache. Quand il fait en long, faut mettre comme ça, peut-être. Non, comme ça, j'ai du mal à esquiver. Ouais, c'est chiant ce combat, il est long, hein, mon pépère. Eh ben, il est long comme ça, il est très long. Et voilà, I am dead. Bon, ben, c'est dommage, j'avais trouvé le truc en restant sur la porte. Je sais pas si c'était la bonne solution, mais moi, ça me plaisait bien. Bon. Ben, j'aimais bien rester sur la porte. Mon masque 4... On se remet pareil, hein, de toute façon. Ah là 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 là, je me disais que c'était bon, que j'allais peut-être le battre. C'est un gros costaud. Et il me reste combien de temps, là? Ouais. C'est dommage que c'est pareil, il est lent, on a envie de se dépêcher, mais il est lent. Est-ce que je suppose qu'il faut que je retrouve... Ça, j'ai toujours pas compris hein, à quoi ça servait. Even after centuries of neglect, there are some doors that will not open. Unless they like what they see. Que si je vais direct ici, non, c'est pas. Je vais essayer de toute façon battre celui-là, ça peut que m'entraîner. Ouais, c'est sûr que comme ça... Ah, vache. D'accord, là ça a été quand même. Hop, ouais, bah j'ai récupéré. Non, c'est. Oui, c'est une autre sorte, mon fou, c'est pour. Bof.
pu réessayer l'autre gros pépère là-bas. Je m'acharne sur lui, je sais pas si... s'il est vraiment... S'il faut vraiment le battre à tout prix, est-ce qu'il me donne quelque chose, j'en sais rien, mais... Je m'acharne sur lui quand même. S'il y a une porte à ouvrir et puis il y a un méchant derrière, alors à mon avis, c'est pas anodin. Oh là, ouais, mais il y a lui aussi. Ah non, pas envie lui. Non, je retourne avec toi, mon pépère. Ah, je préfère. J'aime bien quand ils sont bloqués dans les portes. Allez, viens là. Ah, pourquoi cette petite musique ? J'ai l'impression que les golems, ils sont plus grands que moi. Bah, il lui en faut du coup à ce pépère. Hein. Je vais avoir ma super arme. Eh ben c'est bien. Je sais pas s'il y a des choses à récupérer ici. Ah, il y a une poupée. Il y a des chaînes. Ah bah ben c'est cool, je suis contente. Enfin, je sais que si je perds, il va réapparaître, hein, bien sûr, je le sais bien. Je sais pas ce que c'est que ça, c'est ces petits trucs que je récupère. Les petits secrets. Bon, j'ai vu qu'il y avait la poupée là-bas, hein. Je vais la prendre pour aller dans l'endroit. Mais... D'abord regarder par là, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y aurait pas une arme là? Attendez, je vais m'avancer. Non, il faut que je m'avance. Voilà. Ouais, bah j'ai récupéré des armes, c'est plutôt cool. Alors, je vais me transformer en petite poupée. D'abord prendre ça, je sais pas à quoi ça sert exactement. Ça. With practice, it's possible to transfer your thoughts from one golem to another. Voilà, je suis en petite poupée alors. Non, la petite poupée, c'est pour aller où alors? Par là? Bah. Non, c'est de là que je viens. Par là?
Bon, on va supposer que c'est par là. Alors, on dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Là-bas aussi. Mais ça va pas venir à tous les coups. Ouais. Golems come in many sizes, you know. Okay. And bigger isn't always better. Jolie feuille. Jolie porte. Presse option to return your golem. Donc je pense que c'est que j'ai... Bah tiens, j'ouvre la porte ici. Bah c'est bien alors. Non? Bon, je suis redevenue mon golem. J'ai ouvert la porte, j'ai dû faire tout ce qu'il y avait. Je suis redevenue le golem toute seule. Ah bah c'est peut-être cette porte-là que j'ai ouverte, hein, finalement. Ouais. Ça doit être celle-là hein, que j'ai ouverte. Ah tiens, il y a un... Ah non, ce petit truc, j'ai dû prendre tout. Non, c'est de là que j'étais en poupée. C'était pour ouvrir la porte, en fait, je pense, la poupée. Hein. Ah, regardez, j'en ai une deuxième. Je viens d'avoir une deuxième. Ma super arme. Parce que c'est celle que je préfère. Elle donne des gros coups. Ah, encore une petite poupée? Ah, pour ouvrir cette porte-là, peut-être. Bon. Il fait noir, là. Il fait noir. Ouais, je pense que c'est pour ouvrir la porte qui est là-bas. Et les petites poupées aussi, ça aide. Alors. Tiens, bon, on va d'abord récupérer ça. Encore une fois de plus, je sais pas si ça... ce que ça fait, ces machins-là. Puis je récupère Paul. Before the circle was broken, before dawn and dusk, before the spring and fall, before mortals could dream. Bon, bah, j'irai quand même avancer un petit peu. Hein. J'ai ouvert des portes, j'ai battu des golems. J'ai récupéré des armes. Que je vais perdre aussi vite, forcément. Alors, il me reste combien de temps pour la petite vidéo? Ça va. Ça va, ça va. Was born with a light in her hand, and when she slept, she followed her light and found the gate to the world of dreams. Il y a peut-être un endroit à aller là-bas, je sais pas. Je vais aller par là. Ça, je peux récupérer normalement. Voilà, c'est là que je vais ouvrir la porte en fait. J'ai compris déjà ce petit système hein, avec la poupée. On peut débloquer des passages. Mais sauf que là, si c'est bon, voilà. Ok.
Donc ce que j'aurais à faire, c'est récupérer les... Ce qu'il y avait... Bah là, après, je pourrais y aller avec le golem par ici. Et c'est vrai que pour 12 euros, moi je dis que ce jeu, ça vaut quand même le coup. Un démarrage difficile, hein, j'ai pas mal critiqué au démarrage. Mais une fois finalement qu'on le prend bien en main, c'est plutôt sympa. Bon, je galère quand même, hein, forcément. Ça. Bon, bah, je pense que je vais retourner au golem. Hein. Je pense que... Voilà. Ils me disent d'y retourner. Ils me disent de retourner. Alors, si j'appuie sur option, return to golem. Voilà. Et donc, la porte, c'est la porte qui était là, hein, je pense. Je ne sais plus, hein. Si, ça devait être cette porte-là. Ouais. Ouais. Il faut que l'objectif, ça va être de trouver un masque, mais... De toute façon, quand je vais perdre, à ce moment-là, je vais... Bah non, je vais peut-être arrêter la vidéo avant, puisque c'est vrai que j'ai... Une vidéo... Je peux faire des vidéos que d'une heure, malheureusement. Alors, est-ce que je peux casser... Ouais, on peut casser. Ah, j'ai un trophée, tiens. Je sais pas pourquoi. Mais écoutez, j'ai obtenu un trophée. Et normalement... J'aurais pu casser là. Ah oui, j'ai dit mince. J'entends quelqu'un bouger. J'aime pas trop les amis. Hein. Je sens qu'il va y avoir un petit combat dans l'air. Je suis arrivée dans la tour. Mais je crois qu'il y a un monsieur golem en haut de la tour. De toute façon, j'ai débloqué un raccourci, alors je pense que... Peut-être que je pourrais y retourner assez facilement, j'en sais rien. Tout ça, c'est des choses, on peut pas les... Il n'y avait pas quelque chose à prendre par là? Non. Bon, c'est pas un jeu qu'il faut commencer quand on commence à avoir le PSVR, bien entendu, mais... Mais je le trouve finalement plutôt sympathique. Sauf les pas que j'entends. Alors, je joue hein, sur les conseils de VR5 avec une manette et une move. C'est ça qui fait drôle de jouer avec la manette et... Ça, ce serait bien lui qui a mon masque. Ouais, bah les amis, c'est lui qui a le masque, hein, je pense. Hein. Le masque que je cherche désespérément. Mais forcément, vous vous doutez que je vais pas l'avoir comme ça. Combien de temps pour la vidéo? 13 minutes. Ouais, je m'en doute que je vais pas l'avoir. Je m'en doutais, de toute façon. C'est lui qui a mon masque. C'est lui qui a le masque que je veux. Bah ce serait cool si, mais je sais que j'y arriverai pas, mais je dis ça aurait été cool si je pouvais le battre pour cette fin de vidéo. J'aurais ouvert la deuxième porte, mais bon, j'y crois pas forcément. Non, zut, flûte.
Elle m'en fout un coup. Hein. Ah la vache! Je pense que j'ai le masque qui me manquait. Je pense... Ah, je suis trop contente. Je suis trop contente, les amis. Je pense que j'ai récupéré un masque pour ouvrir... une autre porte. Ah, c'est trop cool. Je pense que je commence à bien maîtriser les combats. Je me félicite moi-même, mais... moi, je pense quand même... Et il me reste 11 minutes. In the dream, you are just your thoughts. You must stay focused, or you may drift apart and lose yourself. Bon, je pense que de toute façon, il va falloir que je redescende. Cette grande cité. Ouais, bah je pense que j'ai le... Je dois avoir le masque. Hein. Je suppose que j'ai le masque. Mais ce qu'il y a, c'est que je l'essayerai. Je vais peut-être pas l'essayer maintenant, parce que... Sinon, je suis obligée de détruire mon golem, hein, si je comprends bien. Donc, ce sera... pour la prochaine vidéo. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, à chaque fois, en fait, quand... Si je comprends bien, quand on démarre le jeu, ils nous remettent toujours devant ces portes. Et ben avec cette petite épée là que j'ai en plusieurs exemplaires, finalement, ben c'est pas mal. Donc il était là, je vais pouvoir ouvrir une deuxième porte, hein, je suppose, hein, je suis quasiment certaine, je pense. Donc je ne suis pas allée là, j'avais... Ah il y a encore... Oh non, il y a plein de cocos là, hein. Ouais, oh, bah, je vais perdre avec lui à ce moment-là, et puis... Je pense que je vais perdre avec lui. Ouais. Oh bah lui, vas-y, vas-y. Bah viens là. Viens là, toi le pépère, là. Toi, t'es des petits ennemis qui servent à rien, je les appelle. Des petits ennemis qui servent à rien. I thought I was so clever. So daring. Who would suspect a warden's sweetheart of smuggling illegal artifacts? I was bringing in so many, I had to find new buyers. Ah bah oui, je reviens là, d'accord. Ouais, je reviens en haut de la première porte, vous voyez. Donc lui, c'est le golem qui avait... Ouais, bah je peux essayer de le battre de toute façon, puisque... Donc je vois où je suis. C'est pas grave si je perds. De toute façon, pour mettre le masque, il paraît qu'il faut perdre. Alors, ça va être le dernier combat et puis j'arrêterai la vidéo après. Allez, pépère. Ah là, j'ai pas bien fait, les amis. J'ai pas bien fait mon truc bidule. Megmas, comment faire? À chaque fois, j'ai des yeux de flûte. Attendez, je remettais...
Bon, je peux pas te donner un petit coup quelque part, là? Ah là, la vache! J'arrive pas à celle-là. À cette esquive-là. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon. Je crois que j'ai bien avancé. Je vais regarder les masques que j'ai. Et puis, je vais arrêter la petite vidéo ici. Eh ben, voilà! Donc, c'est ça? Voilà! Non, attendez, non, c'est... Enfin, c'est ce masque-là qu'il me faut, hein. Bon, là, c'est pas grave, je mets... Storm Mask, voilà. Celui-là, j'en ai plein. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai... Ok, bah écoutez, je vais arrêter ma petite vidéo ici, hein, parce que... C'est... Ça va faire bientôt 1 heure que je suis en vidéo. Donc, je pense qu'avec ce masque-là, je dois pouvoir ouvrir une autre porte. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que cet épisode 3 de Golem vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Moi, je vous fais de gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde !